Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans The Fall, deuxième partie, et on attaque la descente au sous-sol. Alors, avant d'entrer, on fait un petit peu... Ah, j'y touche rien du tout. Bon, ben n'empêche, c'est cool. Alors, ceci transporte les objets indésirables pour incinération immobile. Il peut être victime d'un dysfonctionnement. D'accord, le majordome est actuellement dans le transporteur, oui. Bon, allez, en avant pour essayer... Localiser le corps, recompiler l'origine du signal, se désengager. Qu'est-ce qu'on fait? What is the user hiding behind? Their signal is fractured through dormant machines on the other side of this planet. They carry a Domesticon signature. This terminal can activate them. I may find one I can infiltrate. Mais on va essayer d'infiltrer les robots dormants. I will claim a new host. The signal's terminus is my body. It leads to the Domesticon facility where I fell. It is near. My body is near. D'accord. I may have operated abrasively. I will maintain amenity with future resources. Bien sûr. The user has fractured their signal to avoid detection. Oh, wow. Utiliser le terminal. Alors là, les objectifs sont atteints. They cannot. Hein? Tracer le signal de l'utilisateur. Découvrir ce qu'il cache. Alors. Voilà, donc... Super, le relais est activé, là. Oh, c'est géant. Ils ont mixé pas mal de choses dans ce jeu, et c'est intéressant. Ah, encore du combat. J'adore ce qu'ils ont fait, mais j'aime vraiment ce qu'ils ont fait. Et, alors, on a l'impression de se retrouver un peu dans l'univers, bon, de lointain, hein, mais de Tron, dans les réseaux. Une représentation numérique d'une voie ferrée. Le signal de l'utilisateur circule juste en dessous. Oui, mais le signal, il va de l'autre côté. Cette planète doit disposer d'une sorte d'infrastructure sur rail à haute vitesse. Des manifestations holographiques des structures distantes. Encore du combat. I cannot reach this. Ah oui. These trackers penetrate everything. I may be able to harness their capacity. Oh. Chercher une méthode plus sûre. I will use them. I can dominate them. Wow. I require more. D'accord, on a compris. Il faut plus de bastons. Voilà, bon. Mais j'y vais comment moi là-dessous? Un signal de train. Un complexe non identifié se profile en arrière-plan. Cette planète est plus développée que ce que j'ai pu soupçonner à l'origine. Oui. Il faut que je passe par là. D'accord. On recommence. La descente infernale. Ce stockage de données numériques est représenté par un stockage non numérique. Waouh. Ces portes métalliques sécurisent souvent des choses précieuses dans le monde réel. Ah oui, évidemment, pour moi, on peut interagir avec rien du tout. Waouh, regardez, j'ai une nouvelle barre. Je l'avais pas vue. Charge virale. Eh ben, dites-moi. J'en ai pour un moment. Interrelais. Relais interréseau, réponse au ping TC E2C. Contrôle atteinte E2C. C'est ça que je dois. Des réceptacles contenant des robots bipèdes. Leur sentience ne peut être déterminée depuis le réseau. D'accord. Pour le moment, on ne peut pas interagir avec eux. Ce sous-réseau de Domesticon correspond à un site physique où des humains devaient travailler de manière communautaire. Voilà. Station de travail. Ah, pourquoi? Wow. Vous avez vu, il y a une porte rouge là. Une colonne de moniteurs fixée à des piliers de soutien. S'ils affichent des images du monde réel, ces images ne sont pas converties en données virtuelles. Un réceptacle solitaire et le centre de focalisation de cet hologramme est vide. Bureau, et ça c'est quoi? Un point d'accès au réseau. J'ai plus d'énergie. Oh non de non, oh non de non. I can transfer this energy into a focused blast. Turning the user's tools against them will be satisfying. Ben bien sûr que ce serait bien. Appuyez sur souris milieu pour tirer un rayon de tes lèvres. non, mais pas toutes, hein, en fait. Ah d'accord, maintenant... Bon. Logiquement, je dois faire ça. Mémo d'annonce de la tentative de contrôle, le décès de Domesticon, confidentiel, document interne. E2C poursuit l'héritage de E2, consistant à valoriser la conformité plus que l'individualité. Nous croyons que les groupes sont de manière innée plus faciles à contrôler et E2C va s'établir en tant que solution de premier plan pour l'armée et les autres besoins à grande échelle. Les améliorations par rapport au prototype E1 comprennent une diffusion plus immédiate des idées via une plateforme centralisée. E2C est l'avenir de Domesticon, la solution définitive dans la quête du contrôle. Quasi tout. SB4, Dom. Ouais, vous êtes gentil là, mais je commence à être perdu, moi. Je dois aller où? Toujours 3 contre 1, ils sont pénibles, hein. J'ai changé de voix par rapport à quand je suis mort. Ah ben non, d'accord, je sais où je suis. Je sais où je suis. C'est pas du tout là. Bon. Ouais. Donc c'est bien là où je dois aller. Oh zut. Bon ben, objectif, ne pas mourir. C'est pas possible. J'ai jamais d'énergie, vous faites chier là. Donc le signal il monte. Heureusement que notre vie se régénère, hein. Ah, mon corps, ça y est. Mais non, je suis revenu au point de départ. Ce port est connecté à mon corps, mais l'utilisateur l'infecte avec une procédure inconnue. Y retourner entraînerait probablement ma destruction. Bah oui, et alors? Donc il faut que je passe par en bas. Mais je peux pas ouvrir. Non, il arrive par ici. Ah oui, je tourne en rond. Et là, on le voit plus. Je suis revenu à la station. Oh, c'est pénible, hein. Ah, peut-être pas. SB4, hein. Un relais, ah d'accord, un relais désactivé, donc je suis dans le bon, cette fois-ci je suis dans la bonne direction. E2C. Alors je m'attends du combat. Qu'est-ce que c'est ça? Un pare-feu incroyablement sophistiqué, je ne suis pas en mesure d'y ouvrir une brèche, ouais. Le signal de l'utilisateur se fracture dans cette barrière. Je ne peux pas y ouvrir une brèche. C'est marrant. Vous avez vu, par feu. Je vous ai dit, on est dans un réseau, c'est hallucinant. Ça me rappelle Tron, réellement. Un point d'accès au réseau. Bon. Aïe, 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 aïe. Ah, ce côté énergie là, c'est un enfer. Mais recharge-toi plus vite que ça. Cette unité peut accorder l'accès au contenu physique au-delà de ce pare-feu. Ah. Ah, on dirait un Bouddha. Cet objet présente une forte proximité avec le signal fracturé. Oula. Je suis un. Un. Salutations, je suis Harry. Get out, sortez. Je suis distinct, sortez. Je suis seul, sortez. Oui, il doit être en train de méditer. Tu n'es pas seul. Sortez! Encore, ça recommence. Cette unité semble focalisée sur cette désignation. Je vais la manipuler. Eh oui, médite. Sortez, sortez. Éjecte-moi et je continuerai éternellement à revenir. Ce serait indésirable. Viens-moi en aide et je ne reviendrai jamais. Qu'attend-on de moi? Je piste un signal qui a été fracturé à travers une myriade de machines. Je sais à qui vous faites référence. Tu connais l'utilisateur? Non. Je connais ceux qui sont porteurs du signal que vous pistez. Ils ne sont pas uniques. Existe-t-il une plateforme à laquelle les mains sont connectées? Oula, ça va vite, je pourrais compiler et tracer ce signal. Ce serait satisfaisant. Je m'appelle Harry. Je suis un, ne me dites pas le nom d'un autre. J'accomplirai cette tâche et je serai seul. Affirmatif. Affirmatif. Je vous ai dit, méditez. Je vais tenter de faire preuve de courtoisie. Ça a fonctionné. Découvrir ce qu'il... Alors, ça, c'était l'objectif atteint. Objectif actuel. Accéder à la plateforme des mains. Donc, afin de tracer le signal de l'utilisateur. Oui, les mains, les principaux. J'écoute de la musique pour méditer, je vous l'avais dit. Je suis distinct, je suis un artiste. Je suis seul, je pratique les arts martiaux. Tu as l'intention d'exécuter toutes ces fonctions avant que nous localisions l'utilisateur? Non. Me voilà soulagé. J'étais en train de terminer ma méditation musicale lorsque j'ai subi une immixtion. Je vais à présent valider ma distinction. Mon chef-d'œuvre est ici. Je vais l'admirer. Mon corps est en train d'être détruit. Nous devons partir immédiatement. Allez, j'en arrête là pour aujourd'hui. On avance dans l'histoire. Mais c'est toujours aussi étonnant, hein, ce jeu. Ah là là, il me fait bien... Moi, je trouve cette dose d'humour vraiment intéressante. Parce que c'est un jeu sérieux, c'est un jeu... Une bonne science-fiction, mais voilà, cette dose d'humour, elle rajoute un truc qui me plaît beaucoup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de The Fall, deuxième partie. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut, bye bye.